L'histoire de la fille suivie par 500 millions de visiteurs. Racontée par TTS Reader. Bonjour les amis. À partir de dorénavant et pas plus tard que tout de suite, je vais vous dire ce que nous devrions faire pour réussir dans notre vie. Mais auparavant, ne manquez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne en activant la clochette pour ne rien louper. Je m'appelle Saïd Chakri, 51 ans d'expérience dans la vie active, PDiste, caricaturiste, spécialiste en communication publicitaire, éditeur de magazines, consultant en info-entrepreneuriat et conteur d'histoire. Je vais vous raconter une histoire tirée d'un fait réel. Une histoire qui m'a bouleversée pendant très longtemps. C'est l'histoire d'une jeune fille dont je ne révélerai pas le nom parce qu'elle vit toujours parmi nous. C'est une Américaine de 19 ans. C'est aussi l'histoire d'une fille qui pose trop de questions autour d'elle. Jusqu'à ce qu'elle saoule tout le monde. Elle veut tout savoir. Ce matin-là, elle trouve un très vieux livre jeté dans une poubelle. Un vieux livre tout déchiqueté qui, en le retirant de là, elle sent subitement un frisson qui envahit tous ses sens. Bizarre. Le titre du livre est en partie mangé par les millions de mythes qui adorent se nourrir de bois recyclé. Pour ne laisser apparaître que des bouts de mots. Le M. R. A. A. Et. Parachur. Tiens, pense-t-elle. Déjà des énigmes à élucider depuis la couverture. Titre incomplet. Et nom de l'auteur qui a sauté. Puis elle va chercher dans le tas de feuillets éparpillés la date d'impression du livre. Quoi? Ce n'est pas vrai. C'est une plaisanterie. Voilà ce qu'elle vient de lire. Imprimé chez Gutenberg en l'an 1460. Aussitôt, elle rentre à la maison pour commencer sa grande découverte. En feuilletant le livre, elle tombe sur une page qui comporte cette étrange phrase. La clé du mystère du Graal t'habite. Tu échoues deux fois, tu n'es plus. Cette phrase entre par les yeux de la jeune fille pour ne plus s'en ressortir. Elle n'arrive plus à dormir ni à manger. Pendant des jours et des nuits. Des semaines et des mois. Elle n'a pas arrêté d'essayer de découdre l'énigme, la clé du mystère du Graal t'habite. Tu échoues deux fois, tu n'es plus. Ce qui est certain, c'est qu'on a plus de 99,999% de poisse. Pour ne plus être. Mais au bout d'un certain temps et après avoir lu ce qui reste du livre, la fille a découvert le titre mangé par les mythes. Le M. R. A. A. Et par H. U. R. S'explique. C'est le mystère du Graal par le roi Arthur. C'est aussi évident que si on se trompe, on n'est plus de ce monde. Quant au mystère, il ne peut qu'être l'ultime bénéfice dont on peut profiter. Mais l'histoire de ce qui m'habite, c'est la pièce maîtresse qu'il faut trouver. Qu'est-ce qui peut bien m'habiter? Pense la jeune fille. Je suis devant un fatal challenge. C'est inhumain. Il faut dire au livre ce qu'il veut entendre, sinon, quick. Pendant plusieurs jours, la jeune fille est habitée par une seule obsession. Trouver ce qui l'habite. Et oublie qu'elle joue sa vie contre son obsession. La chose la travaille, la stresse, l'obnubile, la possède, la hante jusqu'à ce qu'elle perde toute possession de ses facultés. Écrit très fort. Je veux une réponse. Un silence s'installe dans la chambre. Le bruit qui vient de l'extérieur s'estompe petit à petit jusqu'à ce que la fille se sente dans une bulle. Tout devient léger autour d'elle. Tous les objets se mettent à flotter comme par enchantement. Le livre commence à s'approcher d'elle à hauteur du visage et tombe. Machinalement, elle le rattrape. Mais sans qu'il ait devenu si lourd. Elle regarde. Et ce n'est plus le livre qu'elle tient, mais bel et bien le beau Graal du roi Arthur. Fantastique. Elle vient de prononcer la clé de l'énigme. Je veux une réponse. Elle a crié cette phrase sans se rendre compte que le livre a été posé devant elle ouvert à la bonne page. Quelle chance. Ou plutôt quelle armada de chance. Trouver la phrase juste. La crier très fort. Élucider l'énigme. Obtenir le Graal. Et sauver sa vie. Dans le creux du Graal, elle découvre un petit papier plié. Elle l'attrape. L'ouvre. Et lit. Félicitations, heureuse âme. Tu voulais une réponse. Maintenant tu as en toi toutes les réponses du monde. Mais cache-moi dans un lieu sûr.
Sinon, tu auras beaucoup de problèmes. Rien n'est parfait. Puis elle se dit, où est-ce que je peux le cacher ? Subitement, sa petite voix lui insuffle la bonne réponse. Waouh ! C'est vrai. Et elle s'étonne du pouvoir qu'elle vient de gagner. Le Graal commence à faire son effet. Merci, roi Richard. Elle se précipite pour cacher le Graal juste avant que sa maman ne rentre dans la chambre sans frapper. C'était moins une et le secret était fichu. Chérie lui dit la maman, veux-tu aller consoler la voisine ? Elle vient encore d'être torturée par son brutal de mari. Quoi ? Il l'accuse toujours de lui avoir gâché la vie parce qu'elle est moche ? Ok. Ça tombe bien, j'y vais. Je ne vous décris pas dans quel état elle a trouvé la pauvre voisine et la maison. La jeune fille compatit avec la voisine, qui se calme, et lui pose la question suivante. Que dois-je faire, ma fille ? Dans sa cachette, le Graal se met à envoyer des ondes imperceptibles. Et la fille donne à la voisine une recette que l'on ne donne nulle part ailleurs pour effacer le mauvais sort qui la frappe. Le soir, le mari rentre chez lui grognon comme toujours, mais il est attiré par l'arôme qui lui met de l'eau à la bouche. Il oublie sa rage puis il se met à table et il dîne tranquillement. Le lendemain matin, un hurlement monstrueux fait réveiller tout l'immeuble. C'est le mari qui est surpris de voir son visage dans le miroir se transformer en caricature. Mais en caricature de chez caricature. Sa femme arrive, qu'est-ce qui t'arrive chérie ? Le mari se retourne et est très surpris de constater que sa femme a eu l'effet contraire. Elle a été stylée comme pas possible. Elle est maintenant d'une grande beauté. Le Graal a rétabli les choses, il a fait de la femme la belle et il a fait du mari la bête. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Tout le quartier est venu faire son constat pour le bonheur de leur voyeurisme. Vous ne savez pas pourquoi j'adore les femmes de tout mon cœur ? Elles sont authentiques, elles sont vraies et elles ne cachent pas la vérité aux gens. Elles sont incapables de garder un secret. Notre jeune fille comprend alors qu'à tout succès correspond un échec. C'est inévitable. Ne dit-on pas que la force finit toujours par créer chez la faiblesse qu'elle piétine une force redoutable qui va la détruire un jour ? C'est justement à partir de dorénavant et pas plus tard que tout de suite que la vie de la jeune fille tourne en drames multiples. Elle commence à se voir harcelée par des gens bizarres qui ne peuvent pas plier le petit doigt quand ils ferment la main. Ou des Highlanders venus de toutes parts et de toute époque pour lui enlever la vie pour prolonger la leur. De gens qui débarquent chez elle à travers un vortex pour des raisons qu'elle ne sait pas. D'être la proie de Molly, qui crache sur elle des millions d'insectes noirs. Des fous furieux, qui lancent sur elle des avions bourrés d'innocents tous les 11 septembre. Des jeunes premiers qui se transforment en loups toutes les pleines lunes. Des Walking Dead qui aiment notre viande fraîche. Des rencontres du troisième type. Des exorcistes. Des enfants dotés de sixième sens. Des bons, des brutes et des truands. Quelle horreur! Que dois-je faire maintenant? Le Graal se remet à émettre ses ondes et la fille entend sa petite voix lui dire, la matrice. Oui, se dit la jeune fille, la matrice est le seul moyen pour mettre fin à ce cauchemar. Elle se transforme donc en rideau. Avec des dessins verts de 1 et de 0. Qui tombe vers ordinateur. Se faufile dans les circuits intégrés. Occupe sa puce. Et se propage dans tous les ordinateurs du monde. Avant de se transformer en un grandiose site connu sous le nom de Wikipédia. Maintenant vous connaissez le vrai nom de la jeune fille. Depuis 19 ans, Wikipédia nous rend un service inégalable. Wikipédia est la plus grande encyclopédie du monde. Créée en 2001, elle est alimentée chaque jour par plus de 100 000 contributeurs à travers le monde. Elle est visitée chaque mois par près de 500 millions de visiteurs et propose plus de 30 millions d'articles dans plus de 280 langues. Plus de 25 000 articles sont créés par jour sur les différentes versions linguistiques de Wikipédia et on compte plus de 10 millions de modifications par mois. Quelques temps plus tard, la mère de Wikipédia découvre un vieux livre tout déchiqueté quelque part entre les meubles. Elle le prend et le jette dans la poubelle en bas de chez elle. Pendant qu'un passant fixe avec insistance la scène. Fin de l'histoire. Moralité de l'histoire. J'ai déjà raconté dans mes contenus vidéo comme dans mes contenus rédactionnels comment j'ai pu mettre Google, YouTube et Wikipédia dans une bouteille. J'ai démontré les cas de Google et de YouTube mais je ne l'ai pas fait pour Wikipédia. Maintenant je vais vous l'expliquer.
À l'image de l'histoire de la fille qui veut tout savoir et tout expliquer à tout le monde, Wikipédia fait de même, elle donne des millions d'enseignements à tout le monde et elle transforme tout mot susceptible d'être expliqué en lien qui nous renvoie vers une source d'information précise. Cette idée est sublime. Elle m'a donc inspiré de faire la même chose. Interactif Magazine fonctionne de la même façon. Et ajoute par-dessus le marché, la fonction de vous montrer aussi beaucoup de vidéos. C'est extraordinaire.